J'ai bien dormi. Et en plus, vu que Néo a perdu un gage hier, c'est lui qui prépare un petit-déj. Il doit sûrement être déjà prêt. Attends, mais il est où mon petit-déj? Oh là, cette feignasse, elle a pas encore préparé. J'ai bougé, il va voir s'il fait pas mon petit-déj. Hein. Ah, c'est bizarre. Pourquoi Néo, il y a une tétine? Et pourquoi il y a une RG? Attendez les gars, je vais ailleurs. Cher Swan, si tu lis cette lettre, c'est que l'expérience scientifique pour laquelle je me suis porté volontaire a réussi. C'est une expérience pour rajeunir, mais on ne sait pas encore de combien d'années. Je te remercie d'avance de prendre soin de moi, quel que soit l'âge auquel je serai revenu. Je devrais grandir de nouveau et retrouver mon âge normal au bout de 24 heures. Si tu lis ça, ça veut dire que l'expérience où je me suis porté volontaire a réussi. Mais c'est quoi cette expérience? Une expérience pour rajeunir? C'est quoi ce délire? Attends. Mais du coup, ça veut dire que Néo a rajeuni? Bon, ok, les gars, là j'ai trouvé un biberon. Il faut vite que je remplisse et que je donne à Néo. Donc, il faut demander. Alors, c'est la première fois que je prépare un biberon, donc je suis pas très douée. Comment ça s'ouvre? Maintenant, je mets du lait. Maintenant, vu que c'est Néo, je vais mettre un peu de chocolat. Allez, maintenant on secoue. Ok, là ça me paraît être un bon biberon. Ok Néo, j'arrive. Ouais. Ok, c'est sûr. Tiens. Ouais, tiens, il y a un biberon. Ouais, j'ai l'impression qu'il est camé. Ouais. C'est quoi ça? Tu cries pourquoi là? Bon les gars, là je pense qu'il est camé. Je pense qu'il va continuer à boire son biberon calmement. Bon les gars, Néo s'est enfin calmé. Il a eu son biberon. Donc là j'ai un peu de calme. Je vais pouvoir préparer mon petit-déj. Du coup, vu que Néo n'a pas préparé, je vais préparer tout seul. Mais c'est pas grave, je sais assez bien préparer les petits-déj. Donc je vais prendre des bonnes céréales Kit Kat. Là je vais me régaler. Ah, c'est trop bonne ces céréales. Salut Swan. Ça va? Néo, tu vas préparer mon petit-déj? Trop gentil. Néo, t'as quel âge là? Bah attends, j'ai 2, 4. Non, c'est 3. 3, 4, 5, 6. J'ai 6 ans. Ah, t'as 6 ans? J'ai 6 ans. Néo, en fait, c'est mon petit-déj. Bon, c'est quoi? Ok, d'accord, c'est bon, je vais dire. Mon petit-déj. Ok, c'est bon. Bon, c'est une bonne soirée. Tu fais quoi là? C'est plus drôle comme ça? Non, c'est pas plus drôle comme ça! Nous, les céréales, on les met dans un bol! On les met dans un bol, les céréales! Mais arrête! Qu'est-ce que tu fais? Franchement, les céréales, on les met dans un bol! C'est pas drôle! Bon. Moi, j'ai fini de manger, hein! Mais t'as même pas oublié les céréales! Il est encore plus insupportable que moi! Bon, les gars, moi, je suis prêt pour ma matinée! Ça va, Léo? Bon, j'ai juste un petit pot pour bébé, mais j'espère qu'il va aimer. Alors, ouais, bon, c'est un truc au saumon. Alors, moi d'habitude, j'aime bien les pots pour bébé, donc j'espère qu'il va apprécier aussi. C'est bon, Léon, c'est prêt? Le sac frites. Non, Léo. Pas! Léon. En fait, c'est un nouveau genre de sac frites. Non, pas! Tu veux dire quoi, bon, pas? Non. En fait, c'est un petit pot. Bon, en fait, c'est goût steak frites. Une petite cuillère pour Swan. Non. Regarde, viewer. Non. Sérieux? C'est un avion, voilà. T'en mets partout. C'est bon, allez hop, mange. C'est un avion, allez hop, mange. Voilà, test. Ah. T'aimes pas?
C'est au steak frites? Oui, c'est au steak frites. Tiens, voilà, c'est au steak frites. Tiens, c'est au steak frites. C'est très délicieuse. Non, c'est très délicieux. A few moments later. J'ai bien mangé, moi. Et tu vas où, là? J'y vais. Avec tout ça, j'ai même pas eu le temps de manger un truc. Bon, pendant qu'il fait la sieste, je vais me commander un petit truc. Oh, il s'est endormi dans le ring. Trop mignon. Et moi, je vais pouvoir manger. Je vais prendre des sushis, voilà. Je vais me régaler. Eventually. Ah, ça y est, mes sushis sont enfin arrivés. Ils ont l'air délicieux. Hé, hey, copain. Copain. T'es déjà arrivé? Oui, je peux voir ton téléphone, s'il te plaît? Non. Mais t'es plus mon copain, alors. Oh. Et je vais le dire à maman, et tu seras puni. Voilà. Ok, c'est bon, Léo. C'est bon. Quoi, ça va aller, je le téléphone moi. Ok. Merci. Voilà, ça c'est parfait pour toi, tu vas pouvoir apprendre l'alphabet. Les alphas. Ouais, tu vois, c'est d'accord. Et c'est ça. Super. C'est très bien, mon cœur. Ça y est, j'ai enfin appris. Madame, qu'est-ce qu'on a? F. Tout ça, F. A few minutes later. Ah, moi j'ai bien mangé. Tu t'es bien, Léo? Oui, mais moi aussi j'ai faim, je veux un goûter. Comment ça t'as déjà faim, on vient de manger? Mais toi tu viens de manger, moi je veux un goûter tout de suite, maintenant. Ok. Qu'est-ce que tu veux pour Je veux des gâteaux oursons et un verre de lait. Je veux les gâteaux, allez. Et le mot magique? Le mot magique? C'est quoi le mot magique? Je sais pas, moi. C'est s'il te plaît. S'il te plaît, allez, Bah, dis-moi la phrase en entier. Je peux avoir des gâteaux, s'il te plaît. Voilà, c'est bien. Oui, je veux bien, je vais t'en apporter. Oui, merci. Voilà, attends, je vais essayer de me servir. Ok, mais... Je vais essayer de me servir. Fais gaffe, quand même. Tiens, verre. Tu tiens la bouteille avec attends, une main. Attends. Non, mais... t'en mets partout, là. J'arrive pas. Ça. Ok, c'est bon, ouais. Mais bon, t'aurais pu me demander des aides, quand même. Non. Bon. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Bah, ok, d'accord, je vais m'ouvrir. Merci. T'es un roi. Je mets aussi une vidéo exclusive. Mario! Oh oui, il y a un t-shirt dedans. Super! Oh, trop bien, je veux le même. Moi aussi je veux un 9 Mario. Swan, je veux un 9 Mario. Je veux un 9 Mario moi aussi. Oui, c'est très compliqué. Hein. Allez, s'il te plaît, je veux un 9. Comment il s'appelle, ses copains? Trop la classe. Ouais, c'est sympa. Je vais mettre un pouce bleu. Mettez un pouce bleu vous aussi, les amis. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, je suis tranquille pendant que je regarde la vidéo. Finalement, en fait, c'est pas si difficile hein, d'élever un enfant. A little longer than a few minutes later. Ah, tu regardes plus la vidéo? Bon. Quoi? Laisse-moi tranquille là. Bon, en tout cas, c'est la fin du goûter maintenant. Non, mais c'est bon, c'est mon iPad là. Oh! Eh, c'est mon iPad! Tu rigoles ou quoi? C'est toute ma vie mon iPad. Tu me le laisses, ok? Tu crois que tu parles à qui? C'est mon iPad, c'est bon, allez, moi. T'es pas mon père là, bolosse, va. Laisse-moi tranquille là, lâche-moi. Eh, hey, tu crois que tu parles à qui? Un peu de respect là, franchement. Non, mais t'es sérieux là? Non, mais vas-y, bah allez, c'est bon, moi je me tire. Oh non! C'est la crise d'ado! Vas-y, me saoule! Ah, finalement, c'était pas si mal quand il était bébé. Ah, j'ai reçu un message. Ah, c'est Néo. Attends, mais Néo, il se plaint d'avoir faim. Mais viens d'en goûter un paquet de gâteaux. J'ai super faim. Si je mange pas tout de suite, je vais fuguer. Oh là, c'est une blague, mais franchement, il est insupportable. Encore plus insupportable que quand il avait 6 ans. Bon, c'est pas grave, je vais commander McDo. Ok, alors, viens voir. Je vais prendre un petit burger. Je prends un truc aussi. Ouais, des petites nuggets. Voilà, commandez. 2000 years later. Ça y est, le McDo est arrivé. Néo, à table. Ah ouais, forcément, il vient pas. Bon, c'est pas grave, je vais lui envoyer un message. Ça fera plus branché, j'imagine. Allez, j'envoie Léo à table. Ah, vas-y. Ah, allez. Allez. Voilà, allez. Ok, il se veut du McDo. Du McDo, pas parfait, t'as fait ce que je t'ai demandé, c'est bien. On va se régaler là. Hein. Ouais. J'ai rien dit, tu sais quoi? T'es un mec cool. Merci, mec. Non, c'est gênant ça. On fait un check, mec. Ah. Allez, là. Allez, voilà. T'es un peu cringe. Hein. Quoi? Mais t'inquiète, je t'aime bien quand même. Eh, hey, ça te dit qu'on regarde un truc? Ouais, ouais, j'aime bien. Vas-y. Un film One Piece? Ah non, mais moi je suis plus un gamin. Hein. Moi je regarde un film d'horreur là. C'est d'horreur? Bon. Bah ouais. Mais je suis pas 18 ans. C'est bon, moi je suis un grand là maintenant. Ça rigole plus. Eh, hey, mais moi j'ai pas 18 ans. T'as quel âge?
Bah, j'ai 12 ans. Un gros peureux. Attends, on va regarder un film d'horreur, voilà. Ouais, moins de 18 ans. Wow, wow, wow. Parfait. Mais non, attends, moi j'ai pas 18 ans. Allez, c'est bon, je lance. Et voilà. Non, je sais pas quoi en faire là. C'était un prank. Là du coup j'étais obligé de préparer ton petit déj ce matin, j'avais la flemme tu vois. Ok, j'ai perdu un pari mais quand même faut que tu sois autonome là au bout d'un moment. Alors Néo? Ouais. Ok, je suis d'accord. Mais tu me dois quand même un petit déj. Bon ok, mais au moins t'as compris la leçon, ça va? Oui, bon ok, j'ai compris. Bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce prank t'aura pas non plus trop fait rager. Alors si Néo, je vais m'occuper de mon enfant plus jamais. Bah écoute, t'auras bien compris la scène comme ça. Hein. C'est ça, ouais. En tout cas, les potes, si ça vous a plu, on met un max de pouces bleus, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche, et à la prochaine, salut à tous.